filmer l'écran de son PC, enregistrer son gameplay, ou encore tourner des vidéos facecam. Je vais vous montrer comment faire tout ça, en plus de choisir les bons réglages pour avoir une qualité de zinzin. Au fait, salut, et pense à t'abonner. Pour ceux qui l'auraient pas déjà, va falloir télécharger le logiciel OBS Studio. Évidemment, c'est gratuit et je vous passe le lien dans la description. Si c'est votre première fois dedans, vous êtes probablement devant cette fenêtre pour configurer automatiquement OBS selon les performances de votre PC. Mais comme on est des grands, on optimisera tout ça nous-mêmes un peu plus tard. Maintenant, les quelques bases pour utiliser le logiciel. Les scènes sont un peu comme des pages où vous allez pouvoir afficher plusieurs choses dessus. Et par exemple, on va renommer celle-là enregistrement et dedans on va ajouter une source capture d'écran pour pouvoir filmer ce qu'il y a dessus. Pour du gaming, prenez plutôt la capture de jeu. Pour exposer votre tête, ça sera grâce à la source de périphérique de capture vidéo en sélectionnant votre webcam. Et si elles n'y sont pas déjà, capture audio sortie pour capturer le son de votre ordi et capture audio entrée pour votre micro. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur comment fonctionnent les scènes et les sources, car flemme, plus déjà fait dans cette vidéo. Avant de passer à la suite... Améliorer l'esthétique de vos vidéos ou de vos streams en quelques minutes, c'est possible grâce au site own.tv. On peut y retrouver des packs d'overlays pour vraiment tous les goûts, et sur chacun, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour avoir un aperçu direct de ce qu'il y a à l'intérieur. Le lien est en description, code promo Shikami qui régale, et merci si vous achetez un truc, car ça m'aide à continuer ce genre de vidéo. Sponso finito, maintenant les réglages pour avoir la meilleure qualité. Cliquez sur Fichier dans les onglets en haut, puis sur Paramètres. On va d'abord s'intéresser à l'onglet Vidéo. De temps, vérifiez bien que la résolution de Canva, donc de l'aperçu, et celle de la sortie, donc de notre enregistrement, soit au moins sur 1920 x 1080 pour faire de la HD. Bien sûr, plus la résolution est grande, meilleure sera la qualité. Genre de la 2560 x 1440 par exemple, mais faites-le que si vous avez un écran ou une caméra dans cette même résolution et un PC qui est capable de la gérer. Pour le savoir, vous allez devoir faire des tests de votre côté et la baisser si votre enregistrement saccade. Pour les FPS, je vous conseille de laisser sur 60, à part si vous voulez faire uniquement de la facecam, là le 30 sera peut-être plus adapté. On va passer au deuxième onglet, celui qui se nomme Sortie. Déjà, en haut, passez le mode sur Avancé. Allez dans la partie Audio et augmentez le débit de chaque piste à 320. Comme ça, on est sûr d'avoir le meilleur son possible pour nos vidéos. Ensuite, dans Enregistrement, choisissez bien le dossier où vous voulez qu'elle se sauvegarde. Pour le format, je vous conseille le MKV, car celui-ci permet de garder l'enregistrement si jamais il y a un souci, genre votre PC crash ou quoi, contrairement au MP4. Cependant, si vous voulez faire du montage vidéo, il sera plus pratique de cocher cette case dans l'onglet Avancé pour convertir le fichier automatiquement, car le MP4 a une meilleure compatibilité. De retour dans Sortie, vous pouvez choisir d'enregistrer plusieurs pistes audio pour une seule vidéo. C'est pas obligatoire, mais c'est pareil, ça peut être bien plus pratique si jamais vous faites du montage. Par exemple, vous voulez séparer votre micro du son de vos jeux. Alors, ici, vous allez cocher les pistes 2 et 3, et dans les propriétés audio avancées, vous allez cocher une des deux sources sur la piste 2 et l'autre sur la 3. Paramètre suivant, l'encodeur. Tout ce que vous devez retenir, c'est soit vous utilisez le X264 qui fera plus travailler votre processeur, soit le Nvidia NVENC H264 qui lui sollicitera la carte graphique. À part si vous possédez une carte RTX, je vous conseille de rester sur le X264. Décochez la mise à l'échelle car on a déjà choisi la résolution depuis l'autre onglet. Dans la majorité des cas, pour le débit vidéo, mettez le contrôle en CBR. Et pour la valeur, je vous mets quelques recommandations à l'écran selon la résolution que vous avez choisie. Mais pour ceux qui ont mis le NVENC et qui veulent filmer en 4K par exemple, le CQP sera peut-être plus adapté pour avoir à la fois une excellente qualité et une taille de fichier optimisée. L'intervalle d'image clé, mettez-le sur 2. De ce que j'ai compris, c'est encore une fois une question de praticité lors du montage. Ici, ça va être différent selon l'encodeur que vous avez choisi. Avec le X264, le pré-réglage, pas besoin de le mettre en dessous de médium, et si jamais c'est pas fluide, il faudra remonter le preset jusqu'à que ça soit bon. Mettez le profil sur High et le reste aux F. Avec NVENC, même délire, sauf que ça sert pas à grand chose d'aller en dessous de l'an. Après, faites-vous plaisir, hein, si votre PC il est sous stéroïde, let's go. Réglage, autant le mettre sur haute qualité.
le mode multipass sur passe unique, profil sur eye, amélioration psychovisuelle cochée. Ça, c'est pour choisir quelle carte graphique solliciter. Si vous en avez qu'une seule, comme 99% des gens, laissez 0. Et le max biframe sur 2. Quand tout est bon, bah oubliez pas de valider. Il vous reste plus qu'à tourner vos meilleures vidéos, soit en utilisant un raccourci clavier que vous pouvez installer depuis les paramètres, soit tout simplement en cliquant sur le bouton « Démarrer l'enregistrement ». J'ai déjà fait pas mal d'autres tutos pour mieux maîtriser OBS, mais dans le doute, abonnez-vous. Bye et... Aïe.